Ma réputation? Ah, faut pas me chercher haut. Ah, mes victimes après les matchs, ils ont souvent une dent contre moi. Moi, je suis au terrain de foot, j'ai arrêté des carrières pour de vrai. Bah, Paris, c'est un peu la rue. On joue partout, on a grandi dans le foot de rue, ça fait des trucs de fou. Que ce soit sur grand ou petit terrain, la vision, la technique, le contrôle, c'est hyper important. Le street football, ça m'a décomplexé. T'es plus libre dans ce que tu fais, dans tes gestes. Bah, quand tu fais la transition entre le street football et le foot à 11, il faut savoir doser le dribble. Bah, le plus important, c'est d'avoir son propre jeu à soi et toujours le garder. Quoi qu'il arrive, tu sais jamais où ton foot peut te mener. C'est ça l'esprit fantôme. Savoir garder ce que tu étais dans la rue et le perfectionner sur le terrain à 11. C'est un truc de ouf d'être ambassadeur de la Nike Fantôme sur ton sort. C'est un truc de ouf. On n'est pas gêné par les essais. Ça permet d'être plus précis dans les dribbles, dans les frappes, dans les passes que l'on va tenter. Premier match, j'ai mis un petit pont, j'ai nettoyé une carte, que demander de plus? Bah, malheureusement, le football, c'est le meilleur sport au monde, mais il y a beaucoup de vices dans ce sport-là. Bah, ton cerf, c'est une bonne application. Surtout que ça aide les joueurs à se faire connaître, à se revoir. Parce que j'ai des potes, c'est comme la famille, je les connais depuis que j'ai 3 ans. On a tous le même rêve, devenir pro. Et si le foot, c'est difficile, on va peut-être pas tous réussir. Mais si moi, je réussis, c'est comme si on avait tous réussi. Pour moi, c'est le foot ou rien.